Hello, hello, les abonnés, les internautes, la famille, les copains. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des Voyages d'Auguste pour partir cette fois-ci au ski. Et on prend pas Auguste le camping-car, mais cette fois-ci on part avec Roger le 807. Voilà, donc on va vous proposer comme d'habitude des belles routes françaises, des autoroutes, sûrement pas mal d'images de ski, ça va être d'enfer. On va à Valmorel, Saint-François-Longchamp. J'essaierai de faire quelque chose sympathique, malgré une tendinite, pas une tendinite, mais je me suis fait une petite entorse au genou. Donc faut que je fasse gaffe, mais comment dire, le médecin m'a donné une attelle. Donc ça devrait aller. Voilà, et puis bon film. Allez, à tout à l'heure ou à plus tard ou à demain. Bise. Bon bah du coup c'est bon. C'est bon. On est parti. On est parti en route pour l'aventure. On sait pas où on dort ce soir, mais on y va quand même. On verra bien quoi. Voilà. Allez, un petit passage de route. La route de la Sèvre, ça va derrière? T'es contente de partir, Jeanne? C'est une bonne surprise, hein? Debout après la sieste, c'est parti. Et toi, Clémence? Bah, toi, ça va être la sieste, là. C'est parfait. Allez, on traverse la Sèvre et... On va s'arrêter pour prendre deux, trois images de la Sèvre, quand même. Sur le pont. La Sèvre nantaise. T'as vu le château en face? Non, mais on habite là, hein. Ouais, mais on le voit jamais en fait. Ah oui, la Grissonnière. Alors là, c'est une super route expérimentale. Normalement, on est censé rester au milieu et quand il y a un camion, se mettre sur le côté. Bon, finalement, tout le monde reste sur le côté parce que c'est une tuerie. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Il est 17h34, ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça fait 1h15. 1h15 quoi. Donc là on arrive à Angers avec son beau château, c'est cool. Hein. C'est beau. Et toi Jeanne, ça va ou pas alors? Il est où Doudou Panthère? Ah, il dort, il n'y a bien que lui qui dort, parce que Clémence ne dort pas. Jeanne elle a fait une bonne sieste, donc voilà. Charles dort pas. On a décidé de s'arrêter Chloé. À Vierzon. Chloé. Ça a coupé. Mais il se passe des choses. Ouais, et derrière, ça va derrière ou pas? Tu veux dire quelque chose aux internautes? Ça va les internautes? Ça va. Clémence, elle est dehors. Alors? Bonsoir, on a été coupé, c'est la route. Alors, mon prénom, c'est Chloé. C'est la dame de l'hôtel où on va dormir. Bon bah c'est cool, c'est ça l'aventure. On appelle et hop, ça roule ma poule. Et voilà, bien arrivé sur Vierzon. Séquence installation. Ça va Jeanne? Ça va les internautes? Ouais, ça va. Allez, ciao.
va s'arrêter boire un petit café, quoi, hein, prendre le petit déjeuner. Alors moi j'ai mes petites habitudes de vieux. J'aime bien quand on va dans les Alpes m'arrêter à l'air des volcans d'Auvergne. Et voilà. Bon bah finalement, non, on s'arrêtera pas ici parce que du coup, bah il y a plein de monde, quoi. C'est ça le problème. Donc une demi-heure pour attendre. Faire la queue, attendre son café, c'est pas possible. Donc, on bouge et on va dans la prochaine. Allez, ciao! Donc là, on est dans un tunnel. Hein. Et puis, je crois qu'à la sortie du tunnel, il y a carrément un truc mythique pour le football français. On va bientôt le découvrir. Il est en face. Il est là, le chaudron! Professeur Carton, docteur Paul Carton, citait le sucre avec l'alcool et la viande comme l'un des trois aliments meurtriers. Allez les verts, enfin moi ouais, je suis plus allez les jaunes et verts, mais bon, j'aime bien Geoffroy Guichard, énorme. Allez, on continue la route. Ciao. Bon bah il est quelle heure? Il est 14h15. On s'est arrêté pour moi Jaillou là, à manger. En fait, l'autoroute c'est carrément l'enfer, quoi. Il y a des bigs embouteillages, c'est bon, 3 heures pour faire 300 mètres. Voilà, j'ai dit stop, donc là, j'ai mis le Waze, hop, et le Waze, eh ben, il nous fait éviter tous les embouteillages, c'est un petit programme, une petite appli bien sympathique, et puis voilà, quoi. Donc l'arrivée est prévue dans 2 heures, voilà. Allez, à plus tard, ciao. Galère des embouteillages, j'en ai marre, ras le bol. Allez, on est presque arrivé, courage. L'Altispace, il est là, il est juste bon. Ouf. L'Altispace, c'est le nom du télésiège qui est juste là. Altispace, pardon. Eh ben c'est bon, on est arrivé. Roger 807 est garé. Il y a de la neige, il y a du soleil. C'est magnifique. On est un peu en haut de la station, par contre. Mais bon, ça va le faire. Allez, bah peut-être à demain, quoi. Allez, parce que là, on est crevé. Le temps de décharger la bagnole et tout. Allez, à demain. Ciao.
Coucou, et ben voilà, le premier jour de ski se termine, on a bien skié, c'était sympa, la neige, bon il pleut, alors elle est un petit peu, comment dire, elle est un petit peu molle, mais c'est cool quand même, on avait un petit peu quand même de, comment on appelle ça, de brume, mais bon c'était sympa, on y était à la cool quoi, parce que moi j'ai avec mon entorse, c'est, faut faire gaffe quoi. Et puis bah là je voulais vous montrer un truc, ouais, donc là je voulais vous montrer un petit truc, le petit pic au fond, le petit mont qu'on voit tout au fond, au milieu, donc là il y a la grande, et au milieu là, et bah c'est le Mont Blanc, eh ouais c'est le Mont Blanc, c'est beau, hein, c'est cool. Puis bah là on fait de la luge quoi, avec mamie, puis les filles et Chloé quoi, super. Bon bah on se retrouve je pense demain, j'essaierai de faire quelques images de ski histoire de compléter un petit peu le film quoi, mettre un petit peu de dynamisme, de la cadence et tout. Ça va être sympa. Allez, ciao. Thank you.
là là, pas terrible. Bon, ça... C'est pas si mal quand même. Ouais, ça va. Ouais, c'est pour les besoins du film. Alors, vos impressions? C'est quand même c'est difficile raide. Aujourd'hui, c'est difficile. Les bosses sont trop hautes pour moi. Ouais, c'est rouge, on aurait peut-être pas dû commencer comme ça. Ouais. On va se faire un petit bleu peinard après. Je crois que ça sera peut-être pas plus facile pour moi. Ok. Merci. Quand même.
Ça glisse tout seul. Un peu. C'est bien ou pas? Ah ouais, bon. Si on se gaufre aussi, c'est pas trop sécurité. Wow. Ça chauffe un peu les cuisses, quoi. Il a dû voir un snowpark, ouais, génial, ouais, t'as raison. Ouais. Put your sweetness a little closer to the phone. Let's pretend we're together alone. Tell a man to turn the jukebox way down low. You can tell the friend there with you, you've gotta go. Et donc voilà, bah le séjour se termine ici, là où il a commencé. Voilà, bah il pleut, ça c'est cool. Hein. Donc je vais aller rechercher les filles. Là, j'ai commencé à dégager un petit peu les vitres et tout ça. Quoi. Donc bah, on va reprendre la route, on a passé un super moment à Valmorel. Station familiale, très sympathique, des bonnes pistes, quelques hors-pistes sympas aussi. Quoi. Donc voilà, je vais pas faire d'image sur la route de retour parce qu'on l'a déjà fait sur la route aller. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve dans un nouvel épisode des voyages d'Auguste. Et bah, je sais pas quand, plus tard. Quoi. Voilà, un autre jour, un autre mois, une autre année. Non, non, le mois prochain sûrement. Allez, bises, ciao. Coucou les internautes, et bien on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des Voyages d'Auguste. Seulement aujourd'hui, exceptionnellement, on ne prend pas Auguste, on va prendre plutôt Roger, mon 807. Là, les filles sont installées. Non, on part pas tout de suite, là, on va juste acheter des croquettes pour le chat. Bon, voilà, on partira tout à l'heure, là, dans la nuit. Et dans ce petit court-métrage, on va au ski. On va au ski, on va à Valmorel. On va sûrement faire plein d'images de la route, plein d'images de ski,
je vais essayer de faire 2-3 chousses bien vite, quoi. Seulement, là, j'ai une entorse du genou, donc il va falloir être quand même précautionneux, on dit ça comme ça. Voilà, et puis bah, on vous souhaite un bon film. Tu dis un bon film? Et toi, Clément, tu dis quelque chose? Bon film à la caméra. Ouais.